is anybody called Lokosi? Lokosi. 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 Are you the one? That's your name. C'est votre nom. That's your name. Can we clap for Jesus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Please climb the steps. Montez les escaliers s'il vous plaît. And kneel before the altar. Et agenouillez-vous devant le pupitre. Kneel down. Agenouillez-vous. Is it in this church? C'est un membre de cette église. Irénée. That's your name. Irénée. 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 Are you a doctor? Vous êtes médecin. By a doctor. Ah, can I prophesy? I'm going to cover you. Je vais vous couvrir. Are you in a hospital? Vous êtes dans un hôpital? You are in an hospital. Vous êtes dans un hôpital. What hospital? Quel hôpital? Clinique centrale de Calavi. What? Clinique centrale de Calavi. It's in Calavi. Dans un quartier, in a hospital. Yeah. What? Clinique privée, privée. C'est une clinique privée. It is a private clinic. Yes. A private clinic. Give me the oil. Donnez-moi l'huile. Listen, this year. Cette année, I'm lifting up every limitations from your lives. Je suis en train d'enlever toutes les limitations de votre vie. So that you can have total liberation on every side. Afin que vous puissiez avoir la libération totale dans tous les domaines de votre vie. You are a doctor, but the kind of success you must have, you are not experiencing it. Alors vous êtes un médecin, le genre de réussite et de succès que vous devez avoir, vous n'êtes pas en train de l'expérimenter. Something is pulling you. Et il y a quelque chose qui vous pousse en arrière. But as I touch you, there will be total liberation. Et quand je vais vous toucher, il y aura une libération totale. You are not clapping at all. Stretch your hands on doctor. Étendez les mains vers lui, s'il vous plaît. What is SOS? Qu'est-ce que SOS, village d'enfants? Ah? C'est quoi? Children's center. Ah? Yes, there's children's center. SOS, village d'enfants. Yes, you have those disadvantaged children. That's disadvantaged children, like Ghana, SOS. Exactly. SOS. Like Ghana. All right, I'm coming. I'll do something. Stretch your hands on the doctor. On va étendre la main sur le médecin. Oh. Maya Losha. Do you have your own hospital? Do you have your own hospital? Leslie. Adele Utombe. Does he have his own hospital? No, he's working in that hospital. He doesn't have his own. Must have his own hospital. Non, il doit posséder sa propre clinique. Ah! Spirit tout esprit that is holding this man qui retient cet homme from stepping out to be the best pour pouvoir être le meilleur. Today I break it in Jesus' name. Et aujourd'hui je brise cela dans le nom de Jésus. Any chain holding his life et toutes les chaînes qui retiennent captif as a chain of limitation comme des chaînes de limitation. Today I break it in Jesus' name. Aujourd'hui je brise cela dans le nom and de Jésus. And I release this doctor. Et je libère ce docteur. To be the best he's supposed to be. D'être le meilleur qu'il est censé être. I bless you right now. Et je te bénis maintenant. I bless you right now. Je te bénis maintenant. I bless you right now. Je te bénis maintenant. I bless you right now. Je te bénis maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Docteur, where do you come from? Vous venez d'où?
Zay. Je suis de Boyikon d'origine, mais nous sommes à Zay. He's from Boyikon, but his village is Zay. It's here in Benin. In Benin. Yes, yes, it's a Beninese. How often do you go to your village? Combien de fois vous allez dans votre village? Quelle est votre fréquence ou bien la régularité à laquelle vous allez au village? Par mois ou bien tous les deux mois ou tous les trois mois. So every month, it depends. Every month, every 2 months, or every 3 months. From now to the middle of this year, don't go to your village. To the middle. Yes. À partir de maintenant jusqu'à la moitié de l'année, n'allez plus au village. Did you hear what I said? Yes. I see accident devant toi. Je vois un accident devant vous. And I'm seeing that if you go from now to the middle of the year, you have an accident and you die. Et je vois que si vous vous déplacez entre maintenant et le milieu de l'année, vous aurez un accident, vous allez mourir. Because they want to cut off your destiny. Parce qu'ils veulent couper et courter votre destinée. But God wants you to fulfill your assignment. Mais Dieu veut que vous puissiez accomplir la mission. So if you listen to the prophet and you don't go within the next 6 months, from that time, get ready for more openings in your life. Alors si vous écoutez le prophète et dans les 6 prochains mois, vous ne vous rendez pas au village, à partir de ce moment-là, attendez-vous à des portes ouvertes. I bless you. Je vous bénis. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Thank you, Jesus. Mercy said no. Dosu Désiré. Hey, I see money coming to you. Money. Je vois l'argent qui vous vient. Are you in this church? Monsieur, dans ce moment-là, tu as traversé pas mal de choses. Mais l'Éternel m'a dit que it has to happen because of the grandeur of the blessing that is coming. Dieu a dit que cela devait se passer à cause de la grandeur de la bénédiction qui arrive. Within 7 weeks. En 7 semaines. Write it. Écris cela. En 7 semaines. Something will begin to change in your life. Quelque chose va commencer à changer dans votre vie. Oh God. God said he knows this man. Dieu a dit qu'il connaît cet homme. And God says he will honor this man. Et Dieu dit qu'il va honorer cet homme. Because of your heart for this church. Et à cause du cœur que tu as pour cette église. And your heart for this family. Et ton cœur pour cette famille. I bless you. Je te bénis. And I open the doors. Et j'ouvre les portes. Receive favor. Reçois la faveur. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Break the curse. La malédiction est brisée. I thought you would clap for Jesus. There's a guy here. Il y a quelqu'un ici. There's a guy here. Il y a un monsieur ici. You came yesterday. Vous êtes venu hier. But when you went to sleep. Mais quand vous êtes rentré dormi. You dreamt that somebody hit your left arm or something with a stick. Et vous avez rêvé que quelqu'un a tapé votre main droite ou votre main gauche avec un bâton. And when you got up, your hand it's like un peu paralysé. Et quand vous êtes réveillé, votre main est un peu paralysée. Vous avez mal à la main. If you are the one, come here. Si vous êtes là, venez. Donc, vous étiez ici à l'église hier. Quand vous êtes rentré, vous avez rêvé que quelqu'un vous a tapé dans le sommeil avec un bâton et au réveil, votre main est malade. Votre bras est malade. You are the one. What's your name? Quel est votre nom? My name is Joshua Judas. Ah? My name is Joshua Judas. Quoi? Joshua Judas. Joshua Judas. Joshua Judas. You were here yesterday. Vous étiez ici hier. Yes. And after the church, somebody you dreamed that somebody hit your hands. Et après l'église, avez rêvé quelqu'un a tapé votre main. Me. Regarde-moi. What you dreamt? Le rêve que vous avez fait. You saw the face of your mother. Tu as vu le visage de ta mère. With a stick hitting your hand. Avec un bâton, et elle a tapé la main. It's not your mother. Ce n'est pas ta maman. Somebody took her face. Et quelqu'un a juste pris le visage de ta mère. So don't think your mama is a sorcière. Et donc il faut pas penser un seul instant que ta mère est une sorcière. It is somebody in the family. C'est quelqu'un dans la famille. It is rather your auntie. Ask him if it pains him. Est-ce que ça vous fait mal? It pains you. Ça vous fait mal? Yes. Huh? Huh? It yes. pains you. Yes. Give me oil.
Donnez-moi de l'huile, s'il vous plaît. Do you believe God can heal him? Est-ce que vous croyez que Dieu peut le guérir? So you can't stretch the hands at all, or donc you can't stretch. Vous pouvez pas étendre la main du tout, c'est ça? But that killed me. I can't, but that killed me. Est-ce que tu peux parler français parce que je n'entends pas? Oui, oui, oui. Vous avez dit quoi? Je peux, mais ça me fait mal. So he can stretch, but it's really paining. Stretch your hands here. Étendez votre main vers lui. We release the power of God. Nous libérons la puissance de Dieu. To float through your hand. De couler à travers ton bras. Right now. Maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We command every pain. Nous commandons toute douleur. To leave your hands. De laisser ta main. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let the power of God flow through your hands now. Que la puissance de Dieu coule à travers ton bras. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Receive strength. Reçois la force. In your hands now. Dans ta main, dans ton bras maintenant. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. It is done. C'est accompli. Amen. 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 Feel the pain? Est-ce que vous sentez toujours la douleur? It's gone. C'est parti. It's gone. Complètement. The guy's hand was paining him. Et la main, le bras du jeune homme lui faisait mal. But the power of God came upon him, and now he can roll the hands easily. Et la puissance de Dieu est descendue sur lui, et maintenant il peut tourner sa main facilement. Now lift your hands. Lève les mains. Do you feel any pain? Est-ce que tu sens encore de la douleur? It's gone. C'est fini. You are free. Tu es libéré. Totally. Totalement. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Can we clap for the Lord? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Thank you Jesus. Mercy said no. Stand up. I saw the anointing on me come on your head. J'ai vu l'onction venir sur votre tête. This guy will be a serious prophet. Et cet homme sera un véritable prophète. Are you in Calavi here? Est-ce que vous êtes à Calavi? Ouais. Vous venez d'où? Cité à Papa. À Papa. Okay. This guy will be a serious prophet. Ce sera un prophète sérieux. I see what is on me come on. When you stand, I saw what's on et me descend on you. Et j'ai vu ce qui était sur moi descendre sur vous. My goodness. Lift your hands. Levez les mains. I see a prophetic international anointing come on your head. Je vois l'onction prophétique internationale descendre sur vous. Whatever you say will come to pass. Tout ce que vous dites va s'accomplir. You will see, you will hear, and you will speak. Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez déclarer. I release that anointing on your head. Je libère cette onction dans votre. Receive it in Jesus' name. Recevez cela dans le nom de Jésus. Can you clap and shout hallelujah? Est-ce que vous pouvez acclamer et crier alléluia? Does he have twin sisters? Est-ce qu'il a une sœur jumelle? Huh? Oui, est-ce qu'il a une sœur jumelle? Two sisters. Il a des sœurs jumelles. Two sisters. Are they here? Yes, they are. They are not here. They are not here. Make sure you bring them to me. Do you understand? Vous les amenez à moi. I want to lay hands on them. Those guests are going to be serious singers, and they will stand with you and support their singing. Put your hand on your throat for me. As a point of contact, I pray comme for your sisters. Comme un point de contact, je prie pour tes sœurs. They will be great singers. Elles seront de grandes chanteuses. Power of God, it is done. Cela est accompli. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Let's clap for Jesus, somebody. Et acclamons pour Jésus. Thank you, Jesus. Mercy said no. And now when heaven looks at me, it's through the blood of Jesus.
Is anybody called Marie Michiru or something? Michiru, something. Marie, Mévé, Michiru, quelque chose comme ça. Hein? Something. Hein? Muriel. Hein? Muriel, Michiru. Hein? Muriel quoi? Ma chérie, c'est, ton nom c'est quoi? Muriel quoi? Come here. Are you pregnant? Vous êtes enceinte? You are not pregnant. Vous n'êtes pas enceinte. Marie pour combien de... 4 enfants. Hein? 4 enfants. Non, marié for how many years? Vous avez été marié pendant combien d'années? 12 ans. 12 years. Somebody has planted something in your stomach. Quelqu'un a planté quelque chose dans votre estomac. And if we don't break it, et si nous ne brisons pas cela, by December 31st, le 31 décembre, doctors will say you have fibroid and that thing will kill you. Les médecins vont dire que vous avez des fibromes et ça va vous tuer. But tonight, mais ce soir, I saw the fire of God descending on your stomach. J'ai vu le feu de Dieu descendre sur votre estomac. Do you have a problem with your stomach? Est-ce que vous avez un problème avec votre estomac? What problem? C'est comme si je suis tout le temps constipé. Tout le temps constipé. Oui, pendant 2 semaines, je ne vais pas à la. There is an attack on your stomach. Il y a une attaque sur votre estomac. You see, when I mentioned the name, I was going towards this side because the thing was moving me towards this direction. Alors, mais quand j'ai mentionné son nom, j'allais de ce côté parce que ça me poussait de ce côté-là. God said, I should tell you. Dieu m'a demandé de vous dire. This thing will not develop into fibroid. Cela ne va pas se développer en fibrome. He will deliver you and reverse this. Il va vous délivrer et il va renvoyer cela. Come here. Venez, madame. No, stand. Tenez-vous debout. And put your hands on your stomach. Et mettez les mains sur votre estomac. Church, stretch your hands on her. Église, étendez la main vers elle. I release this woman. Je libère cette femme. Right now. Maintenant. Break the curse. Break. La malédiction soit brisée. Bring again. Levez-la, s'il vous plaît. Anything they've put on your tummy. Tout ce qu'ils ont mis sur votre estomac. Let the fire of God consume it right now. Que le feu de Dieu consume cela right maintenant. Right maintenant. Now. Right maintenant. Now. Maintenant. Right now. Break. Soit brisé. Leave it. Laissez-la. Can I have water? Est-ce que je peux avoir de l'eau? Father. Père. I release our sister. Je libère notre sœur. C'est fini. Is Amen. Is she in this church? She's in this church. Cette is the husband here? Put your hand on her tummy. Mettez votre main sur son ventre. I agree with the husband. Et je me mets en accord avec le mari. And we declare the wife free. Et nous déclarons l'épouse libre. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. It is done. Et c'est accompli. That's all. Sit down. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. Lift your hands up. Élevez les mains. Élevez les mains. Who gave you this ring? Qui vous a donné cette bague? C'est le bague. Au moment où je fais le mariage, on appelle ça. On appelle ça dans. Comment dirais-je? On appelle ça pour porter. So they did that ring for the wedding. Vous avez fait ça où? Dans la maison de l'artisanat, vers là. C'est là-bas où on appelle ça. Okay, so the I think the so other it's for marriage. Ring. Yes, it's for marriage. A marriage. It's marriage. Ring. Marriage ring. Yes, sir. Married for how long? Vous avez été marié pendant combien de temps? 3 ans, pastor. 3 years. For 3 years. Yes, sir. 3 years. Yes, do you have a child? Vous avez un enfant? J'ai 2 enfants. He has 2 kids. You have 2 children. If we don't pray for you, the children, your wife, you all be dying one after the other. Si on ne prie pas pour vous, pour votre femme et vos enfants, vous allez mourir les uns après les autres. It will start from you. Ça va commencer avec vous. To your wife. Et ensuite la femme. Then the children will follow. Et ensuite les enfants vont suivre. Do you remember? Est-ce que vous vous rappelez? That 2 weeks before your marriage. This ring got missing for 3 days. Est-ce que vous vous rappelez que 2 semaines avant votre mariage, les alliances ont été perdues pendant 3 jours? Oui. It got missing for 3 days. Vous avez perdu les alliances pendant 3 jours.
I won't tell you the person who took it because it's a family problem. Je ne peux pas vous dire qui a pris les alliances parce que c'est un problème familial. But they took it to your village. Mais ils ont pris les alliances, ils ont amené dans votre and village. And they did some juju and voodoo on it. Et ils ont fait des pratiques, des fétiches, des incantations dessus. That after the 3 years of your wedding. Afin qu'après les 3 années de votre mariage. You will begin to die. Vous allez commencer à mourir. You die, your wife will die, and votre the children femme will fall. Va mourir, ensuite les enfants. Because there's a curse on the family that people don't marry easily like that. Parce qu'il y a une malédiction dans la famille. Les gens de votre famille ne se marient pas facilement but comme God ça. Will have mercy on you. Mais Dieu vous fera miséricorde. And this curse will be revoked. Et cette malédiction sera révoquée. Stretch your hands here. Étendez les mains, Église. Stretch your hands here. Étendez les mains vers lui. Vous élevez vos mains. Mantala bahaya. Zengobo shakala lito kabli kataya. I release your son. Je libère ton fils. Ah, break. Sois brisé. And I revoke the curse. Et je révoque la malédiction. And declare your blessings on the entire family. Et déclare tes bénédictions sur toute la famille. On him, his wife, and the 2 children. Sur lui, sa femme et ses 2 enfants. None of them dies prematurely. Aucun d'entre eux ne mourra de manière prématurée. They will live to declare the works of God. Ils vivront pour déclarer les œuvres de l'Éternel. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I bless them. Je les bénis. Your mother has 5 children. Votre mère a 5 enfants. Oui. 5 children. 5 enfants. 5. Oui. 3 men and 2 girls. 3 garçons et 2 filles. Oui. Ah. Ça c'est un peu dur, mais est-ce que je peux dire ça? Is your wife here? Votre épouse est là? Oui. Is here? Oui. Dans le programme? Oui. Elle est là. Ah, elle est là? Elle est là? Oui. Ta femme est là? Oui. Chérie, viens. Elle est où? Your wife? Où est votre épouse? You are the wife. C'est vous la femme. Come here. Venez. For about some time now. Depuis un certain temps maintenant. Ton truc marche pas bien comme il faut. Why? Because when he fell down. Parce que quand il est tombé. I saw angels touching him. J'ai vu les anges le toucher. And I saw God healed him. Et j'ai vu que Dieu l'a guéri. Because for some months now, he has not been performing like a man. Parce que depuis quelques mois maintenant, il n'assure pas comme un homme. But God says he's healed. Mais Dieu a dit qu'il a guéri. Yeah. Donc, ma fille, à partir de ce soir, il y a des joies dans le mariage. Donc, ma chérie, don't insult him again. Faut plus l'insulter. D'accord? Parce que la limitation est enlevée. La limitation a été enlevée. Give me oil. I lay my hands and I seal this. J'impose mes mains et je scelle cela. Now bless your wife. Et je bénis ton épouse. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. It is done. C'est amen. Accompli. Amen. Bonne année. Asseyez-vous. Thank you, Jesus. Mercy said no. An angel appeared here. I just saw an angel. Here. Un ange de l'Éternel vient d'apparaître ici. Who is Odette Kaba? Qui est Odette Kaba? Odette Kaba, God said you will be a prophetess. Odette Kaba, Dieu dit que vous serez une prophétesse. God said you will be a prophetess. Dieu dit que vous serez prophétesse. You will prophesy, you will preach the parole, you preach. Vous allez prophétiser et prêcher la parole. Because I saw the angel touched you and flew and touched him. J'ai vu l'ange vous toucher. Ah, tu le connais? L'ange vous She's your wife. She's your wife. J'ai vu. Any attack. Toute attaque. To destroy your marriage. Pour détruire votre foyer. Will never stand. Cela ne tiendra point.
I see the number 11. Je vois le nombre 11. And when I calculated, I saw in the spirit. Et quand j'ai calculé cela en esprit, that latest by October, they want to break your home. Break. This year. Okay. Yes. Je me suis rendu compte en esprit. Quand j'ai calculé, je me suis rendu compte que au plus grand tard en octobre, on a planifié de briser votre foyer. They want to destroy your home. On veut détruire votre foyer. En octobre, ce serait, ils ont planifié de le faire. Déjà en octobre, ce serait fait. And I saw seven people holding their hands and they were shouting 11, 11, 11, 11. J'ai vu sept personnes se tenir par les mains en train de crier 11, 11, 11, 11. Yes. But I change things in the spirit. Mais moi, j'ai l'habitude de changer les choses en esprit. Give me oil, give me oil. Trouvez-moi de l'huile, s'il vous plaît. Because of the assignment on her life. À cause de l'œuvre que Dieu vous a confiée. She needs a husband. À cause de cette œuvre-là, elle a besoin d'un mari. So she will never lose her home. Et pour cela, elle ne perdra jamais son foyer. Can you stretch your hands here, church? Est-ce que vous pouvez étendre vos mains vers eux, Église de Dieu? When did you marry? Quand est-ce que vous êtes marié? Ça fera 11 ans. Ça fera 11 ans. Octobre. Octobre. Wow. Ils sont dans leur 11e année de mariage. So she's saying that October this year their marriage will be 11 years. Elle est en train de dire qu'en octobre cette année leur mariage aura 11 ans de vie. And I'm saying 11. So it means the witches are projecting in the spirit that after the 11th year they have to lose their marriage. Donc et je suis en train de voir le nombre 11, ça veut dire que dans le monde spirituel les méchants sont en train de programmer qu'après la 11e année de mariage le foyer doit être brisé. Mais il dit c'est faux au nom de Jésus. Amen. I lay my hands. Je pose ma main on the two of you. Sur vous deux. And I break the spell. Et je brise la malédiction. Makatala. Break. Sois brisé. And I prophesy. Et je prophétise. This marriage would, I'm seeing rich or botron quelque chose. Botron, botron. Where do they come from? Botron ou boycon. 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 C'est une ville? Hein? Yeah. C'est une ville. C'est une ville, oui. Where does it come from? Boycon. I bless you. Je vous bénis. Bless you. Je vous bénis. C'est là. Thank you, Jesus. Mercy said no.